Selon plusieurs sources proches du constructeur PSA Peugeot Citroën, l'ancien numéro 2 de Renault, Carlos Tavares, va devenir le numéro 2 de PSA, ce qui permettrait au constructeur de consolider la stratégie du groupe au moment où une alliance avec le chinois Dongfeng devient de plus en plus probable. Carlos Tavares, ancien numéro 2 de Renault, avait été brutalement évincé de ses fonctions en août dernier pour avoir évoqué son avenir en dehors du constructeur aux losanges. Son recrutement aurait été déjà validé par un conseil de surveillance extraordinaire du groupe PSA. Pour développer la stratégie du constructeur français en difficulté, Tavares serait appelé courant 2014 à remplacer Philippe Varin, actuellement président du directoire de PSA Peugeot Citroën.